is hugging a big part of your culture. In some countries like the United States, it's very common to hug someone you already know when saying hello or goodbye. If you come from a country where hugging is a big part of the culture, you probably notice that hugging is not a thing in France. We pretty much never hug in France. In today's lesson, which will be entirely in French, I will tell you why this is the case and what to do instead. But the English subtitles are here to help you if you get stuck. C'est parti. Les Français ne font pas souvent des hugs. Il n'y a même pas de mot pour ce geste. On peut dire faire un câlin, mais c'est plus intime, plus tendre. Le plus simple, c'est se prendre dans les bras, mais là encore, c'est assez intime. Dans ses bras, pas, je en, en fait, la culture française est moins tactile que d'autres en général. Prendre dans les bras, c'est surtout réservé à la famille, ou à une amitié forte. Si vous prenez une amie française dans vos bras, elle risque de trouver ça bizarre et de se figer. C'est comme l'amitié. Les Français prennent plus de temps pour s'ouvrir, que ce soit pour parler de leur vie ou pour se prendre dans les bras. Évidemment, je parle en généralité. On peut trouver des Français qui se prennent dans les bras pour se dire bonjour. Mais culturellement, c'est plutôt inhabituel. En revanche, on se fait la bise. Clément, oh, ça me fait plaisir de te voir. <laughs> Andrea. La bise, ce n'est pas simplement s'embrasser. Ce n'est pas un baiser romantique ou un bisou, une marque d'affection surtout pour les enfants. En fait, c'est coller sa joue sur celle de l'autre et mimer un baiser dans l'air. Et faire pareil de l'autre côté. Oui, ça semble étrange, mais c'est comme ça qu'on se dit bonjour en France. On ne fait pas la bise à n'importe qui, c'est seulement pour des gens de même niveau. On ne fait pas la bise à son supérieur au travail, par exemple, mais seulement en famille et entre amis. Deux hommes qui se disent bonjour peuvent se faire la bise s'ils sont amis ou bien choisir la poignée de main, surtout dans un milieu professionnel en revanche les femmes ne peuvent pas vraiment serrer la main c'est vu comme trop formel comme un signe de distance elles sont donc souvent obligées de faire la bise à leurs collègues et c'est dommage en bref pour c'est ok parce mais pas Maintenant, avec le Covid, les gens ont perdu l'habitude de toujours faire la bise. C'est l'occasion d'un nouveau départ. Enfin, si tu n'es pas sûr, fais simple. Tu n'as qu'à lever la main, l'agiter un peu et dire bonjour. Bonjour. Now, let's quickly review some of today's French vocabulary. Did you manage to hear the words that I used? Did you learn some new words and expressions in French? Let's recap together. But before we dive in, you should know that today's lesson with the written scripts and subtitles are available on my website in today's blog post. You'll also find extra resources and vocabulary that didn't fit in today's video, and it is completely free. You will find the link below the video in the description. We started with faire un câlin, faire. Un câlin, to hug in a tender way. Faire un câlin. It is close to prendre dans ses bras. Prendre dans ses bras, which means to hug, literally to take in your arms. Prendre dans ses bras. Some French people do hug though, but they're considered more tactile than the norm. Other French people do not like hugging, and for instance, elle peut se figer. She can freeze. She can stop moving out of consideration. Elle peut se figer. Elle peut se figer and not move like that. I do understand the cultural irony of avoiding hugs, but still do la bise, which American people find way more intimate but as we've seen it's not s'embrasser which is more to kiss each other or un bisou a small kiss or even un baiser which is more of the formal name for a romantic kiss oh and by the way be very careful with the french verb baiser because technically it means to kiss just like embrasser but in real everyday french it's always a vulgar synonym for having sex so don't use it for instance you can ask on se fait la bise on se fait la bise can we greet each other with la bise on se fait la bise this is useful if you're not sure about the correct greeting in the situation you're in but never say on se baise which is a very common mistake among my students that's much more intimate and it is a totally different meaning Now, let's keep it formal with une poignée de main. Une poignée de main is a handshake or literally a fistful of hand. Une poignée de main. You can also use the verb se serrer la main, se serrer la main to shake hand or literally to squeeze hands. Se serrer la main. For instance, you can say, Je préfère te serrer la main. I'd rather shake hands. Je préfère te serrer la main. And now, félicitations, congratulations. I hope you learned something new on French greetings and French culture. You can click on your screen right here to get to your next free lesson to clear up more French misconceptions with the lesson French words that French people never use. Just Click here and I will see you there. A uh, tout de suite.